Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, petit retour en arrière sur l'année livresque 2018, qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que j'ai moins aimé. Comme ça fait pas mal de temps que je vous ai pas parlé de lectures que j'appréciais pas, parce qu'en général j'ai décidé de les laisser de côté vu que je fais déjà de moins de vidéos sur la chaîne. Voilà, j'ai pas forcément envie de perdre du temps avec des lectures que j'aime moins, même si je sais que les avis négatifs intéressent beaucoup d'entre vous. Vous êtes énormément à me demander de continuer à parler des lectures que j'ai moins aimées. Peut-être que de temps en temps je ferai voilà un top flop, on va dire, du moment. Là en l'occurrence, sans grande surprise, je vais vous parler de mes tops et de mes flops 2018. J'ai réussi à sélectionner une quinzaine de lectures que j'ai faites durant 2018. Il y a 10 tops et il y a 5 flops. Il y a bien sûr beaucoup plus de tops finalement si j'ai essayé de faire une comparaison, et il y a aussi un tout petit peu plus de flops, mais je me suis dit que j'avais pas envie non plus d'en montrer 150 000. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'ordre, c'est-à-dire que je vais revenir sur janvier jusqu'en décembre, et les tops et les flops vont être mélangés. Dès que ce sera un top, je mettrai que c'est un top, et dès que ce sera un flop, je mettrai que c'est un flop. Voilà. Je commence par vous présenter une bande dessinée avec Ce n'est pas toi que j'attendais de Fabien Toulmé. C'est une BD que j'ai lue au début de l'année 2018 et qui m'avait retourné le bide et le cerveau, enfin bref, tout en même temps. C'est l'histoire vraie d'un couple qui attend son deuxième enfant. Tout le récit va nous être raconté du point de vue du père, et c'est vrai que même si le père a envie de s'investir, ben il est quand même un petit peu externe vu que ce n'est pas lui qui vit la grossesse, il la vit à travers sa femme. Là en l'occurrence ils sont super confiants, tout se passe bien, mais il se passe un léger couac le jour où en fait ils partent du Brésil pour revenir s'installer en France. Certains papiers et suivis de grossesse ont de la peine à suivre, certains examens ne vont pas être effectués au moment voulu, prévu, et le jour où leur fille arrive, le papa en est persuadé, quelque chose cloche, quelque chose ne va pas chez sa fille. 3-4 jours après la naissance, le couperet tombe, leur fille est atteinte de trisomie 21 qui n'a pas été détectée au moment des différents tests et examens qui sont normalement effectués durant la grossesse. C'est un énorme coup dur pour le père notamment, vu que c'est son point de vue surtout qu'on va recueillir ici. C'est son ressenti en fait, et j'ai trouvé très touchant que Fabien Toulmé nous livre ça en fait. Mettre vraiment en avant toutes les émotions qu'il a ressenties face à ça. Le fait qu'il est en colère, qu'il est triste, qu'il a pas envie de cet enfant à ce moment-là, c'est pas ça qu'il voulait, c'est pas toi que j'attendais, ça porte très bien son titre. Et là en fait, quand on le met devant le fait accompli que maintenant ça va devoir se dérouler comme ça, il est paumé, voilà, il est en colère. Et c'est quelque chose qui m'a énormément touchée moi en tant que jeune maman déjà, parce que forcément c'est quelque chose qu'on pense au moment où on est enceinte, au moment où on attend un enfant. Et là de le voir noir sur blanc, on se dit purée, en fait j'étais pas la seule. Je pense qu'on est plein à ressentir ça et des fois à être un peu honteux de ressentir ça, alors que finalement il n'y a aucune honte à le ressentir, c'est je pense tout à fait normal. J'ai envie ensuite de vous parler de L'enfant du lac de Kate Morton. C'est une lecture qui aura bercé toute mon année 2018 parce que elle a fait partie des lectures que j'ai énormément conseillées en librairie, que j'ai vraiment poussées et que j'ai mises en avant. Quand il est sorti en poche, L'enfant du lac pour moi ça a été la lecture estivale de mes clients. Je me suis dit, si vous avez besoin d'un truc ou vous voulez des secrets, quand même une sorte d'enquête, mais c'est pas un policier, on n'est pas du tout dans ce type de narration. On va beaucoup plus tourner autour de ce qui fait que Kate Morton maîtrise parfaitement le sujet, les secrets de famille, les personnages qui reviennent en arrière, qui commencent à fouiller un petit peu dans des endroits où tout le monde s'était dit l'affaire est bouclée, on a fermé le truc, plus personne va s'en soucier, et en fait on rencontre une flic qui va être mise à l'arrêt, sauf que problème, elle n'arrive absolument pas à décrocher, elle, il faut qu'elle fasse quelque chose, et elle va apprendre la disparition d'un enfant dans les années 30-35, dans un grand manoir, une grande maison en Cornouailles, une baraque qui est complètement paumée et qui aujourd'hui est complètement laissée à l'abandon. Et du coup avec Kate Morton on a toujours ces fameux flashbacks qui nous ramènent durant cette fameuse journée où l'enfant a disparu. Et j'adore parce qu'elle maîtrise ses personnages, elle maîtrise son intrigue, même si pour le coup j'ai deviné assez rapidement le résultat, on va dire, de qu'est-ce qui s'était passé autour de cet enfant, c'est pas grave parce que j'étais contente que ce soit ce résultat-là. Et j'adore les descriptions qu'elle fait de tous ces paysages, de tous ces personnages, et je crois que je vous la conseille très souvent, mais si vous cherchez des bons romans avec des secrets de famille, Kate Morton fait partie des meilleurs. L'année 2018 aura été marquée aussi par un peu le retour de la non-fiction. C'est un genre que j'ai un petit peu laissé tomber ces dernières années parce que j'étais vraiment à fond dans les romans de fiction, qu'importe le style. Mais du coup l'année passée j'ai eu envie de me remettre à la non-fiction et j'ai un peu commencé sur un coup de bol, un coup de tête, La puissance du féminin de Camille Sfès, qui m'avait été envoyée très gentiment par les éditions Le Duc. J'attendais rien de particulier de cette lecture et alors... révélation. Ce livre m'a
percuté de plein fouet, il a réveillé plein de choses en moi. Il m'a fait prendre conscience de tellement d'aspects de ma personne, de ma féminité, de ma façon de vivre ou d'appréhender certaines choses qui sont reliées à mon corps, à mes émotions, etc. Enfin, j'ai toujours un peu le même problème avec les livres non-fiction autour du développement personnel ou de l'ésotérisme ou même des essais des fois, c'est que j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, à trop en lire autour d'un même sujet par exemple, je commence à tourner en rond. Donc même si là j'ai envie de m'intéresser un tout petit peu plus à cet aspect-là, le côté très féminin, etc., j'ai toujours peur de basculer un peu dans l'effet inverse où ça ne m'intéressera plus parce que j'ai accumulé trop d'informations à double. Ce qu'il y a, c'est que je sais qu'en général, quand je parle de ce genre d'ouvrage, vous êtes énormément à me conseiller vos propres coups de cœur, vos propres découvertes sur le sujet, et je trouve ça génial. Le seul souci que j'ai avec ça, c'est que je peux pas tout lire, et je peux pas tendre vers toutes les références non plus, mais ce livre-là, il est arrivé en fait au bon moment, de la bonne façon, avec les bons chapitres et la bonne... Enfin vraiment tout ce qu'il fallait, il y a presque tous les chapitres qui m'ont touchée, qui m'ont intéressée, et c'est grâce à ce livre que j'ai un petit peu bifurqué vers 2-3 petites autres choses. Et je sais que c'est pas forcément des livres dont je vous parle beaucoup ici, parce que c'est pas forcément une plateforme YouTube qui m'intéresse pour parler de ce genre de livres, ou de ce genre d'expérience, ou de ce genre de... Voilà, de choses que ça peut remuer en fait dans une personne. Je vous en parle là aujourd'hui parce qu'il fait partie de mes tops de 2018, parce que vraiment il a marqué mon année 2018. Après, ce genre de bouquin, je vais pas forcément y revenir très régulièrement sur la chaîne, même si vous en avez très envie pour certains. J'ai plutôt envie de parler de ce genre d'ouvrage sur Instagram, par exemple, qui est une communauté encore un petit peu plus restreinte, donc je me sens un peu plus à l'aise là-bas. Et aussi sur le blog, parce que sur le blog, j'ai vraiment le temps de poser mes mots, de poser mon avis, d'expliquer vraiment en fait là où je veux en venir, et si tout d'un coup, je me suis mal exprimée sur un truc ou que je me suis broutée dans une info, ben je peux toujours venir modifier l'article pour que le rendre plus compréhensible et plus juste. Ce que je peux pas faire dans une vidéo, une fois elle est faite et je peux pas la refaire éternellement pour la rendre mieux en fait. J'avais envie de vous en parler aujourd'hui pour ouvrir un peu la brèche et vous dire, vous savez quoi, si ce sujet vous intéresse, je risque d'en parler de plus en plus souvent, mais pas forcément ici. Et du coup, si vous êtes pas du tout adepte d'Instagram ou du blog, ben je suis désolée, mais voilà, je peux pas aller... Voilà, je peux pas encore franchir cette barrière de parler de tout, ici. Je me rends compte que je vous ai même pas forcément dit de quoi ça parlait, la puissance du féminin. C'est un livre qui, comme son nom l'indique, va parler de la femme, de la féminité, et de tout ce qui se passe en fait dans le corps et dans l'esprit d'une femme. On est plus sur quelque chose de spirituel, légèrement ésotérique pour moi, selon mon point de vue, plutôt que vraiment des choses concrètes qui se passent dans le corps d'une femme. Camille Sfez en parle aussi, mais moins scientifiquement et plus spirituellement, peut-être. C'est quelque chose qu'on peut facilement coupler avec une lecture comme Les Joies d'en bas, qui est parue aux éditions Actes Sud, que je suis en train de lire actuellement d'ailleurs, qui est en train de devenir une de mes très bonnes lectures de 2019, en fait. Autre top, Un hiver long et rude de Mary Lawson aux éditions 10-18. Je l'ai mentionné sur Twitter il n'y a pas super longtemps, parce que j'avais fait un gros craquage chez eux. La maison d'édition 10-18 fait partie de mes préférés pour le format de poche. Je trouve qu'ils reprennent des bons titres qui sont sortis en grand format. Énorme surprise, parce que j'ai vraiment été saisie par les trois personnages principaux qu'on va rencontrer. Dans une grande famille, on va rencontrer Edward, le père, Tom, le fils aîné, et Megan, la seule fille de la fratrie, qui décide un jour de tout plaquer, de quitter le Canada et d'aller réaliser son rêve à Londres, de vivre une nouvelle vie, de vivre autre chose, et de ne plus être la petite maman de la famille. Tom, le fils aîné, lui est revenu à la maison après un drame et il essaye tant bien que mal de s'en sortir en faisant un petit boulot mais qui ne l'intéresse pas plus que ça, et surtout, il a envie d'adresser la parole à personne. Et enfin, Edward, le père, n'arrive pas à comprendre exactement ce qui se passe dans sa propre maison, n'arrive pas à adopter la figure paternelle qu'il aimerait adopter. Et tous ces personnages vont graviter autour de Emily, la mère de famille, qui est en train de devenir folle. Ce roman, je sais pas s'il est censé délivrer le message que moi j'ai ressenti, mais en tout cas, ce que j'en retiens énormément, c'est que c'est un ouvrage très féministe, déjà, parce que le personnage de Megan essaye de s'émanciper, essaye de prendre sa vie en main, quoi, bêtement, et de partir et de faire les choses pour elle et non plus pour toute sa famille. Et finalement, même sur un autre continent, elle a quand même
la charge mentale de toute sa famille qui lui revient constamment en tête. Elle est tout le temps en train de se demander est-ce que mon père a fait ça pour mes frères? Est-ce que Tom a fait ci? Est-ce que maman en est là? Et peut-être que vous avez été assez sensible à ça et que, comme moi, vous avez vu pas mal de choses circuler sur la charge mentale des femmes, etc. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai déjà eu l'occasion de lire 2-3 livres sur le sujet. C'était hyper intéressant de découvrir un roman et non pas un essai ou une bande dessinée. Vraiment un roman qui met en scène un personnage qui est en train de craquer à cause de ça. Et c'est dommage parce qu'il y a un truc que j'aimerais pouvoir vous dire par rapport à ce roman, mais si je le dis, ça vous spoil la fin de l'histoire. Hé ! Encore un top ! Ouais, je commence par beaucoup de tops, comme ça je vous mets bien, à l'aise, tout va bien, j'ai eu des super lectures en 2018, et tout d'un coup il va y avoir 3 flops d'affilée, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Ah. Bref, autre top de 2018, Nos faces cachées de Amy Harmon. C'est la surprise qui est venue de je ne sais où, parce que franchement, je m'attendais tellement à ne pas aimer ce livre que je suis très heureuse de l'avoir énormément apprécié. Pourtant, il contenait un petit peu tous les éléments qui auraient pu faire en sorte qu'il ne me plaise pas. Parce qu'on va rencontrer Ambrose Young, qui est le plus beau, le plus magnifique, le plus merveilleux, et de l'autre côté, Fern Taylor, qui est une fille assez commune, finalement, classique, normale, enfin voilà, qui se trouve d'ailleurs, elle, très laide, bien sûr, voilà. Et déjà, rien que là, c'est des petites choses que j'aimais pas, hein, à la base, c'est des trucs qui me font un peu lever les yeux au ciel, où je me dis, ah, encore. Après les attentats de 2001 à New York, Ambrose décide de partir et va servir en Irak. Il va revenir, cabossé, vraiment plus du tout le même qu'avant, et Fern en a toujours été amoureuse. Quand il revient, il a de la peine à comprendre qu'une fille comme elle, qui est super sympa, super drôle, super belle en plus, puisse tomber amoureux de quelqu'un comme lui. Et ça va être un peu un jeu du chat et la souris entre les deux. Mais pour moi, ce qui a vraiment fait en sorte que ce bouquin est tellement différent des autres du même genre, c'est le personnage de Bailey. Bailey, je sais plus maintenant, c'est quelque chose comme ça. Il le précise pas dans le résumé, mais il me semble que c'était ça son prénom. Qui est l'ovni du bouquin, qui est un personnage qui a une maladie dégénérative, qui sait donc qu'il est condamné. Du coup, sa cousine Fern prend énormément soin de lui, s'occupe beaucoup de sa personne. Et c'est un personnage tellement drôle, tellement limpide en fait. Il a peut-être plus la capacité de tous ses membres, mais du coup, sa tête, elle fonctionne parfaitement, voire même tellement plus que la moyenne. C'est un personnage hyper intelligent, intéressant. J'ai trouvé que sans lui, le roman aurait été terrible. Vraiment, genre pas bon du tout, trop cliché, trop classique, trop vu et revu. Et en fait, elle a juste pris ce personnage, elle l'a mis là au milieu, ça en a fait un truc de... Voilà, j'ai trouvé ce livre génial, et même, je pense que c'est rare que je dise ça pour pas mal de bouquins, je le relirai avec grand plaisir. Encore une bonne surprise en 2018, je m'attendais pas du tout à aimer ce livre, c'était Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Je me souviens que ce sont les éditions Fayard qui me l'ont envoyé avec une petite carte dédicacée de l'autrice. Et vraiment, quand j'ai reçu le bouquin, j'ai fait... Je l'avais pas du tout demandé, je l'ai reçu quand même. Et puis il allait sortir en librairie tout bientôt, je me suis dit, bah ça serait peut-être quand même bien que tu le lises, juste histoire de peut-être pouvoir le conseiller aussi aux gens. Et je me suis lancée dans l'histoire, un petit peu en me disant que j'en attendais absolument rien. Et en fait... Mais c'était une de mes meilleures lectures de 2018, je vous mens pas. Je m'attendais tellement à rien que j'ai été hyper surprise. Je pense pas que tous les livres de Virginie Grimaldi pourraient me plaire, parce qu'elle a pas toujours les mêmes thématiques, mais celui-ci réunissait exactement ce que je voulais lire à ce moment-là. L'histoire de cette mère de famille célibataire qui élève seule, du coup, ses filles de 12 et 16 ans, qui en plus de ça n'arrive pas à recréer la communication entre les trois, qui en plus, va perdre son job. Elle a pas envie de le dire à ses filles parce qu'elle se dit que là, c'est bon, c'est foutu. Sur un coup de tête complet, elle prend le camping-car de ses parents pour partir faire un road trip avec ses filles en Scandinavie pour voir les aurores boréales. J'ai vu ça arriver, j'étais là... Je peux faire partie de cette famille ou comment ça se passe? Les personnages sont... pas cliché, j'avais tellement peur qu'on tombe dans le gnangnan et dans l'ado rebelle qui se met en colère pour tout et pour rien et que finalement l'autrice lui attribue rien comme raison d'être en colère. J'avais vraiment peur de tomber là-dedans et en fait pas du tout. J'ai découvert des personnages
très justes, qui, ok, des fois sont à la limite du cliché, mais qui n'y tombent jamais en fait. Ils sont toujours sauvés par quelque chose. La plus jeune est à mourir de rire parce que c'est sans filtre, elle dit absolument tout ce qu'elle pense, sans penser à mal, juste parce que bah voilà, c'est ce que je pense, donc je le dis. Le voyage est très beau, ça permet de remettre un petit peu l'église au milieu du village, comme on dit par chez moi, remettre les points sur les i, tout ça, enfin vous voyez l'expression. C'est, voilà, c'est juste, c'est sympa, ça se lit bien, c'est drôle. Ah, quand même, un petit flop. Je me suis dit, ils sont passés où ces flops ? Dans le cadre des moldus de lecture, quand on était encore sous notre ancien système, on avait lu ensemble Une lueur d'espoir de K.A. Tucker. Et ça a été une lecture un peu compliquée pour ma part. C'était l'histoire de cette femme qui sauve un joueur de hockey très célèbre et qui va réussir à partir en douce de son sauvetage sans qu'il la reconnaisse. Et du coup, lui ensuite veut absolument retrouver la personne qui lui a sauvé la vie, la remercier, etc. Au bout d'un moment, elle décide de se montrer. Et bon, vous imaginez la suite, il tombe amoureux, etc. Alors, comme j'aime les romances, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Le concept de la romance me dérange absolument pas vu que j'en lis régulièrement. Mais alors là, j'ai trouvé ça d'un plat et d'un commun et de... Enfin, il n'y avait absolument rien d'extraordinaire là-dedans et tout ce qui aurait pu être intéressant n'était pas du tout exploité. Le personnage féminin est hyper niais. Enfin, j'ai pas du tout aimé ce personnage-là. Le personnage masculin non plus, en fait. Hein. Et du coup, en plus, ce personnage, cette femme, a une fille qui a 5-6 ans, je crois, dans l'histoire, si je me souviens bien. Et ce que j'ai vraiment pas aimé à ce moment-là, c'est que cette petite fille, en fait, c'est tout le temps une excuse pour plein de choses, pour sa mère, pour, je sais pas, elle peut pas faire ci, elle peut pas faire ça, elle doit s'arranger au boulot, etc., pour sa fille. Mais c'est jamais quelque chose de valorisant. Pourtant, on sent qu'elle l'aime, enfin, j'avais l'impression quand même que l'autrice mettait souvent en avant que le personnage aimait sa fille. Mais c'était jamais... montré d'un bon point de vue. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sa gamine était toujours un frein à sa vie, et quand quelqu'un lui faisait remarquer que c'était un frein à sa vie, elle la défendait, c'était non, c'était l'amour de sa vie, elle donnerait tout pour sa fille, etc. Donc, il y avait une balance qui était vraiment très mauvaise à ce niveau-là. Pff, voilà. Puis alors, les dernières scènes sont arrivées, j'étais là, mais oui, allez, c'est le pompon, allez, feu d'artifice, tout ça. Pff. Et je vous ai dit qu'on était du coup, on était dans la lancée des flops là. Pour la rentrée littéraire 2018, j'avais lu Nous les vivants de Olivier Blaise. Je m'attendais à un truc génial. Je pense que j'étais partie peut-être avec une idée préconçue dans la tête de ce que je voulais lire. Ça m'arrive des fois, malheureusement, quand je lis un résumé ou autre. Et des fois, à la rentrée littéraire, quand t'as pas encore le livre sous la main, puis que tu veux déjà faire un peu une présélection de ce que tu pourrais éventuellement lire, parce que sur 600 bouquins, tu ne pourras pas tout lire, bah oui, tu lis les résumés. Je lis pas souvent les résumés, mais là, pas le choix. Et celui-ci, il y avait un truc qui me plaisait bien, cet homme qui part dans son hélicoptère, qui arrive, qui pose ses victuailles dans un refuge, et qui va pas pouvoir repartir. Donc il va commencer à parler avec un gars qui est là-bas. Je m'attendais à une sorte de roman philosophique, je le voyais venir, et j'avais envie de lire un truc comme ça. Mais l'auteur est pas du tout parti dans la direction que j'attendais, voire au contraire. C'est devenu limite un tout petit peu trop religieux pour moi, pour vraiment accrocher, pour vraiment croire en fait à ça. Ah du coup non, ça l'a pas fait du tout. C'était très long et en fait très rapidement on comprend ce qui s'est passé, on n'est pas, enfin voilà, je trouvais que ça coulait de source et ouais non. Par contre dans les bouquins que j'ai lus pour la rentrée littéraire 2018, il y en a un qui m'a particulièrement marqué et je vous l'ai présenté d'ailleurs sur la chaîne, c'était Les Enfants de cœur de Heather O'Neill aux éditions du Seuil. Ce roman, en fait, il a regroupé tout ce que j'aime bien dans un roman. Il y a des histoires d'amour, mais pas que, il y a beaucoup de drames, il y a des personnages qui tombent énormément et qui doivent se relever. Les deux personnages qu'on va rencontrer ici ne commencent pas bien dans la vie. Hein. Les deux sont orphelins, ils grandissent dans un orphelinat, ils vont réussir à s'en émanciper et à quand même plus ou moins réussir, en tout cas pour un certain temps, leur vie. Et comme ils se sont perdus de vue au moment où ils sont partis, ils sont toujours restés amoureux sans vraiment pouvoir se retrouver, sans pouvoir recréer un lien tous les deux. Mais ils continuent à se chercher. Et d'un autre côté, on a un aspect très brut, très violent de la vie telle qu'elle peut être. C'est une histoire pas tendre, c'est une histoire qui montre que les personnages vont en baver, mais ça montre aussi que si on en a vraiment envie, si on a envie de s'accrocher, si on fait les bons choix et si on prend des risques, bah oui, peut-être qu'on va tomber. Au moins on aura essayé, et puis ça coûte rien d'essayer de se relever et de recommencer. Et même si des fois l'autrice écrit d'une façon très crue, très érotique et sexuelle ce qui se passe dans la vie de ses personnages, qui met d'ailleurs cette sexualité vraiment dans le cœur même de son roman,
Si on enlève un petit peu ça et si on prend une certaine distance avec les personnages, j'ai trouvé que c'était un roman hyper fort et qui te remet un peu les idées en place. Quand le Pumpkin Autumn Challenge a commencé, je m'étais dit que j'avais envie de sortir une vieillerie de ma pile à lire et j'ai été vers La fille du roi Arthur. C'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions Hachette quand il était sorti. Il me semble que c'était il y a 3 ans. Oui, enfin voilà, hein, moi je fais plus qu'à, il y a des trucs dans ma palle. Je sais qu'ils en sortiront jamais probablement, enfin bref. Et j'avais envie de me plonger dans cette histoire-là, j'ai trouvé le concept assez intéressant. Le fait que, imaginons peut-être, que pourquoi pas, Guenièvre et Arthur aient eu un enfant et que cet enfant soit une fille. Je trouvais le concept intéressant. On a le droit de réécrire des légendes, on a le droit d'en changer des choses et de les réinterpréter à notre manière. Mais là, ça allait pas du tout. Là, c'était un peu prendre les jeunes lecteurs pour des débiles, et c'est un truc que je déteste. Donc on a ce personnage féminin qui a été protégé toute sa vie sur une île qui est Avalon, on présume bien sûr, qui est amie avec un personnage masculin qui est plutôt une sorte de druide plutôt qu'un chevalier. Pourquoi pas, allez, admettons. Les rôles sont un petit peu inversés, et même si cet aspect-là est du coup un peu intéressant, il y a plein d'autres trucs qui jouent pas en fait. Ça ne fonctionne pas, parce que c'est trop brouillon, parce que c'est pas expliqué. L'autrice était partie, pour moi, du principe que tous ses lecteurs voyaient très bien qui étaient les personnages de la légende arthurienne. Alors peut-être que oui, mais peut-être que non, donc peut-être un petit rappel de temps en temps, ça aurait pas été trop. Et ensuite, elle nous balance quand même une jeune fille dont on ne connaît pas l'âge, hein, à aucun moment. Comme ça, dans la vie, tiens, vas-y, pars de ton sanctuaire d'Avalon où tu as été protégée toute ta vie et va te faire charcuter sur un champ de bataille, y a pas de problème. La gamine trouve Excalibur, pourquoi pas, allez, je veux bien, et arrive quand même à défier tout le monde. À aucun moment c'est précisé que sur Avalon c'est une bête de guerre, hein, à aucun moment. Donc si tu l'as pas précisé, on n'est pas censé comprendre et déduire que ton personnage est une bête à l'épée. Mais là c'est le cas, là elle arrive en un claquement de doigts à faire plier les genoux à un chef saxon, non mais encore une fois, tout va bien, c'était plein d'incohérences, un rythme. Voilà, je suis pas étonnée que Hachette ait jamais publié la suite. Avant-dernier flop de 2018, et alors celui-ci ça me fait mal au cœur de le mettre là-dedans, vraiment parce que je voulais énormément l'apprécier et l'adorer même, c'est le tome 4 des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. Cindy, je suis désolée, je suis vraiment passée à côté. Pourtant, vous savez que j'ai vénéré la trilogie de base, enfin que j'ai adoré, que j'ai trouvé le concept tellement différent, innovant, original, enfin bref, tout. Je défendrai cette trilogie, je pense, toute ma vie, parce que vraiment je la trouve excellente. Le tome 4, pour moi, ne sert à rien dans la trilogie, en fait. Je trouvais que la fin de la trilogie était très bonne, et même si elle laissait certaines portes ouvertes à certaines choses, le tome 4, pour moi, du coup, n'était pas suffisant. Il aurait fallu avoir peut-être encore un tome 5, éventuellement, pour vraiment apporter en fait un second souffle à l'histoire. Vu que je veux pas forcément spoiler ce qui se passe à la fin du tome 3 des Outrepasseurs, je vais faire un avis très vague, j'ai pas le choix. Mais en gros, il se passe des choses à la fin d'un tome 3. C'était techniquement la fin, donc forcément, il y a beaucoup d'enjeux. Et du coup, dans ce tome 4, on a un peu un petit relevé de personnages là, qui finalement reprennent un petit peu leur vie, etc. C'était pas assez poussé dans l'intrigue, c'était pas exploité comme je l'aurais voulu. Il y a des choses qu'on survole et qui du coup, si elles sont juste survolées, on aurait peut-être juste pas eu besoin de les connaître. Donc déçue, vraiment déçue parce que je voulais voir autre chose et qu'en fait j'ai juste eu une sorte d'avant-goût de quelque chose qui n'aura pas lieu. Je reviens sur un top que je vous ai présenté il y a pas si longtemps du coup, vu qu'on arrive gentiment à la fin de l'année 2018, Les sorcières du clan du Nord, de Irena Brignol aux éditions Gallimard Jeunesse. Là encore une fois, énorme surprise parce que j'avais eu tellement de retours mitigés et négatifs, très peu d'avis positifs, que je m'étais dit pff, ne t'attends à rien, c'est mieux. Je vais peut-être un peu moins m'attarder parce que je vous en ai vraiment parlé il y a pas très longtemps, mais dans cette histoire on va rencontrer Poppy qui, depuis toute petite, a des problèmes, doit tout le temps changer d'école, il lui arrive tout le temps des malheurs en fait, qui sont liés, selon elle, à des choses peut-être un peu surnaturelles. Et de l'autre côté, on va rencontrer Claré, qui est une sorcière du clan du Nord, mais qui n'a aucun talent pour ça. Alors quand on lit le résumé et que c'est présenté comme ça, on se dit bon,
Il y a eu un petit problème là, hein, on est d'accord. Et d'ailleurs, sans grande surprise, c'est le prologue du roman. Donc comme ça, pas de spoil, tout va bien. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'était une façon de présenter la sorcellerie différente. C'est pas boule de feu et compagnie, comme j'adore le dire. C'est vraiment une sorcellerie très naturelle et très personnelle, qui, on le sent, elle doit aller puiser au fond des personnages, elle prend du temps, elle fatigue énormément, il faut apprendre à la contrôler, il faut la développer, enfin bref. Vraiment un aspect de la magie que j'ai énormément aimé voir ici. Et en plus, c'est peut-être un roman jeunesse, peut-être éventuellement essayer de le mettre dans une autre catégorie aussi, parce que je trouve que les adultes peuvent y trouver leur compte. C'est un roman très noir, c'est un roman où la vie est dure, même pour des adolescentes de 15-16 ans qui sont sorcières et qui ont des pouvoirs magiques. Tout n'est pas réglé grâce à ça, au contraire, il va y avoir beaucoup de problèmes à cause de ça et la magie ne peut pas tout résoudre. Des fois j'ai un peu de la peine à acheter un livre et de le lire directement, je sais pas pourquoi. J'aimerais bien le faire plus souvent, parce que souvent quand j'achète un livre, c'est que j'ai envie de le lire tout de suite, mais souvent je le pose à la maison et il dort un moment dans ma palle, des fois plusieurs années, et voilà. Ce qui ne s'est pas passé heureusement avec Dans la forêt de Jean Egland, que j'ai lu dès que je l'ai acheté. J'adore sa couverture poche, enfin, elle est splendide. Voilà, merci Gallmeister de faire des couvertures si canon dans votre collection Totem, qui est la collection poche de Gallmeister. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui fait des très bons textes, qui tend en général vers une littérature que j'apprécie beaucoup. Je ne reviendrai pas là-dessus, bien que je pourrais. Dans la forêt, qui est un texte qui est paru il y a déjà de nombreuses années aux États-Unis, qui n'arrive que maintenant chez nous, on va rencontrer deux sœurs qui ont 17 et 18 ans, si je me souviens bien dans le roman, Nell et Eva, qui sont déjà orphelines de mère quand le drame va arriver, quand le monde aura une énorme coupure de courant, et le courant ne reviendra jamais. Voilà le départ de l'histoire, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de courant? Parce que on peut vivre sans quelque chose, mais le courant, l'électricité, ça devient très très rapidement compliqué quand même. Des gens commencent à tomber malades, il y a de moins en moins de gens autour d'eux, et en plus, elles vivent dans une maison qui est déjà très reculée, dans la forêt. Ouais, ça porte plutôt bien son nom quand même, hein. Ouais, je veux pas dire, mais voilà. C'est pas un roman de survie, c'est ce que j'essaye de dire quand je le conseille en librairie. C'est pas un roman de survie, bien qu'on ait des aspects de la survie de Nell et Eva, qui n'ont pas le choix. Donc elles vont nous décrire comment elles arrivent à survivre comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment un livre qui dénonce énormément de choses sur notre monde actuel. Sur l'écologie, sur l'éducation aussi, et qui fait énormément réfléchir sur notre façon de voir le monde aujourd'hui. Ensuite, j'ai voulu regarder le film qui est sur Netflix, en VO sous-titré seulement, en tout cas. Netflix suisse, on l'a, c'est sûr, on l'a encore pour l'instant. Et j'ai pas trouvé que c'était très fidèle, enfin c'est fidèle, oui, quand même, mais j'ai pas trouvé que la narration était adaptée pour un film. Parce que dans le livre, on a énormément de flashbacks, c'est assez décousu finalement, on revient beaucoup en arrière, en avant, en arrière. Dans le film, c'est hyper linéaire, et on a un ou deux flashbacks, et c'est tout. Et du coup, ça rend le truc assez plat, et il n'y a pas trop de « Oh mon Dieu, ah, moi, ah !» Enfin, peut-être parce que je connaissais déjà les actions, mais même comme ça, je trouvais que c'était pas dingue. Voilà, c'était sympa, mais je trouve que du coup, ça délivrait pas les mêmes messages que le bouquin. Dernier flop de cette année 2018, et celui-là, c'est vraiment nul. Je voulais vraiment bien aimer ce livre, ça me saoule. C'est Christmas Pudding de Nancy Mitford, aux éditions 10-18. Alors, je vous disais avant que 10-18, c'était ma maison d'édition préférée pour les poches. C'est toujours le cas, mais des fois, bah voilà, on peut avoir des déceptions un peu partout. Ça se passe dans les années 30, et on va découvrir plusieurs strates de la société anglaise qui partagent un Noël, et certains ont envie, d'autres pas du tout. Certains vont devoir mentir pour atteindre leur but, etc. Et même si ça se voulait peut-être un peu second degré, humour anglais, etc., chose auxquelles je suis plutôt réceptive habituellement, je me suis ennuyée, je trouve qu'il se passe rien. Les personnages et les conversations qu'ils ont entre eux sont plates de chez plates. C'est un peu dommage parce qu'en fait j'avais vraiment envie d'apprécier ce roman. Bon, on dirait, en général quand je commence un livre, je me dis pas je vais le détester, mais là il y avait un peu tous les éléments qui font que j'aime, ça se passe un peu aux alentours de Noël, etc. Mais même ça, en fait, le Noël est assez... éloigné finalement. Mais je vous rassure, je termine sur un top. Un des derniers livres que j'ai lu en 2018, c'était Sur ma liste de Rosie Blake.
petite romance qui fait du bien, qui vraiment fait du bien. On va rencontrer le personnage de Clara qui arrive à Yulthorpe, une petite bourgade anglaise, que je ne sais pas prononcer mais vous avez compris, et qui va reprendre un peu sur un coup de tête un magasin de jouets que sa propriétaire a décidé de laisser parce que plus rien ne fonctionne dans ce petit village. Du coup, gros challenge pour Clara, remettre à flot ce magasin et peut-être pourquoi pas un peu toute la ville, si possible. Bien sûr que ça se passe pas comme prévu, à côté de ça il y a le fils de la propriétaire qui revient, qui décide de vendre le magasin, qui ne veut pas du tout que Clara le reprenne. Il pense d'ailleurs que c'est une opportuniste, enfin bref. Tout ça va se dérouler forcément avec des petits couacs, mais aussi beaucoup de joie et beaucoup de moments tendres, etc. Ce que j'ai bien aimé, c'est le côté très danois qui est mis dans le bouquin, vu que le personnage de Clara et danois. Et du coup, elle va énormément mettre en avant le fameux savoir vivre le moment détente et en famille quand même et avec des gens qu'on apprécie, etc. Le fameux mot que je ne sais pas prononcer, donc je ne vais pas le prononcer, mais vous voyez de quoi je veux parler. Et tout ça, en fait, va être dans le roman, va accompagner les personnages. Du coup, c'était super doux, c'était super réconfortant. Moi, ça m'a fait du bien, ça m'a mis du baume au cœur. Cet énorme, gigantesque top flop de l'année 2018 est terminé. Je suis désolée qu'il ait été aussi long. Je me lance dans des explications et puis voilà où on en est après. Mais enfin bon, si ça vous a plu, c'est le principal. Moi j'ai adoré l'affaire, en tout cas ça m'a fait du bien et ça m'a fait plaisir de revenir sur ces très belles et un peu moins belles lectures de 2018. J'avais laissé tomber les top flops et puis allez, pourquoi pas. Peut-être de temps en temps, un peu plus souvent dans l'année, un top, un flop, à voir. J'espère que votre année 2019 commence bien, que vous faites déjà des belles découvertes livresques. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance. Au rendez-vous de nos premiers.